Allô ma chérie, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Comment vas-tu? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui? On va voir comment construire des réfrigérateurs. Super, mamie. Ça te convient si je viens vers 14h? Parfait ma chérie, je ferai ma sieste avant. À tout à l'heure, mamie. Bisous. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie. Ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello. J'aimerais accéder au plateau 15, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Donc les amis, c'est parti pour ces 6 paternes de frigo. Le pattern numéro 1 est assez simpliste au final, donc deux petits blocs de fer, une porte en fer et tout simplement une petite plaque de pression en fer. Vous voyez, c'est les frigos basiques qu'on fait dans Minecraft, donc voilà pour ce premier pattern. Alors, pour le deuxième pattern, c'est quasiment la même chose, sauf que comme vous voyez, il y a des boutons sur les côtés et tout simplement à l'arrière, on a mis des droppers, histoire de pouvoir nous dropper les items. Comme ça ferait un frigo fonctionnel en gros. Donc, c'est des frigos qu'on fait assez régulièrement parce que, bon, voilà, ça utilise des propriétés de Minecraft au niveau de la redstone avec les droppers. Donc, ça, tac, ça comme ça et surtout, bah, les petits boutons, histoire à. Les petits boutons. Histoire, quand on appuie, de pouvoir dropper, voilà, à manger. Donc là, j'ai droppé une carotte. Voici pour ce deuxième pattern. Troisième pattern est vraiment simpliste à fond parce que, en gros, je pars du principe qu'un frigo, c'est à peu près blanc. Enfin, c'est pas à peu près, c'est souvent blanc régulièrement. Et que, en gros, les boutons font les poignées, tout simplement, du réfrigérateur que l'on peut ouvrir. Donc voilà, tout simplement, pour ce troisième pattern. Alors, les amis, pour ce quatrième pattern, tout simplement, on va mettre deux blocs de béton blanc. On va mettre des items frames, donc des cadres, avec tout simplement une carpette dedans pour faire la poignée. Et au-dessus, voilà, une petite plaque de pression pour mettre un peu plus de relief. Donc voilà, ça fait la porte du congélateur et du réfrigérateur en haut. Et voilà, tout simplement, pour ce quatrième pattern. Alors pour ce cinquième pattern qui est un frigo typiquement américain, tout simplement on va faire un mur déjà de 4 de haut sur 4 de hauteur. Ouais bon ça va le faire. Et tout simplement on va disposer des blocs de fer. Voilà. Là ici vous allez mettre tout simplement un levier pour faire le bac à glaçons. Vous voyez comme il y a sur ce type de frigo. Et là on va tout simplement superposer des trappes en fer. On va faire la même chose de ce côté-là. Ici, on va mettre un item frame avec une carpette histoire de faire la poignée. Et à l'arrière, tout simplement, on va y mettre des leviers pour pouvoir regarder tout simplement fermer vos petites trappes. Et voilà pour ce frigo américain. Donc là, c'est vraiment plus pour le build un peu plus moderne et tout. Mais voilà. Vous voyez, ça passe assez bien. Après, voilà, vous pouvez mettre des blocs de quartz, tout ça. Enfin, vous pouvez changer les blocs de fer. Mais voilà un peu pour l'idée de ce cinquième pattern, les amis. Alors pour le sixième pattern qui sera le dernier les amis, donc c'est pareil, c'est un frigo américain mais fait d'une autre manière. Donc tout simplement là je fais un mur de 4 sur 4. Là on va mettre tout simplement ça, tac, comme ça. Et ici on va mettre tout simplement un escalier pour pouvoir tout simplement faire bah, à nouveau un peu le bac à glaçons quoi. Enfin c'est vraiment pour l'idée, le bouton pour faire la poignée et ici bah, des plaques de pression pour mettre un peu plus de relief. Voilà pour ce sixième pattern, les amis. Alors, les amis, voilà, on a vu les 6 patterns de réfrigérateur pour cette vidéo, cette émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires. Portez-vous bien, les amis. À la prochaine. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas.